Bonsoir et bonne année. Bonne année, c'est un vœu que je présente ce soir. Je voudrais le formuler par rapport à quelque chose qui est assez délicat, difficile, qu'on répète comme ça sans tellement s'en rendre compte, qui est le paradoxe ou les paradoxes du rapport sexuel dans l'expérience de la psychanalyse. Ça ne va pas de soi d'aborder le rapport sexuel parce que nous l'abordons évidemment de façon particulière, hein, évidemment, bien sûr, hein, et nous l'abordons de telle façon que quelque chose puisse fonctionner avec, d'une part, il n'y a pas de rapport sexuel, bien sûr, hein, et d'autre part, le fait que quand même, sauf, là évidemment je reprends la façon dont Lacan le propose, sauf entre les générations voisines, c'est-à-dire les parents, les enfants, sauf d'une certaine manière, dans le fantasme, puis alors sauf dans la parole. Et alors là, la parole en question, là, vous voyez que ce n'est pas la parlotte. C'est la parlance. La parlance, ce qui fait que j'ai été amené à proposer FLC. En effet, j'essaie de parler. J'essaie de parler, c'est-à-dire de prendre en compte quelque chose qui est un savoir auquel on n'a pas accès, auquel, en tant qu'être parlant, je n'ai pas accès comme sujet en tant que tel, mais que vous pouvez entendre, pour autant que lorsque je parle, en fait, comme lorsque je chante, pour ça que je vous ai mis un petit extrait d'un aria chanté il y a quelques mois à Milan. Quand je parle, quand je chante, quelque chose peut être écrit, quelque chose peut s'écrire, et en l'occurrence, vous pouvez le lire. C'est ça l'idée du FLC. C'est-à-dire que si c'est pas comme ça, c'est un discours assez bétonné, universitaire, où effectivement on peut pas tellement, on peut même peu, en quelque sorte, lire entre les lignes, interlegere, être rendu intelligent. Hein, on comprend, ça peut être très savant. Finalement, la rencontre, là, en ce qui me concerne comme être parlant, FLC, c'est quelque chose qui, dans mon approche de Freud, de Lacan, pose l'importance des signifiants de Freud, de Lacan, et donc, finalement, du malentendu. Du malentendu qui va devenir du bien entendu. On n'est pas du tout effectivement dans le fait d'écouter et de construire quelque chose à partir de ce qui peut se dire. On n'est pas dans le dit, même si on passe par le dit, même si on passe par la pensée. Il est bien précisé que
ce qui est en jeu, en fait, c'est quelque chose qui dépasse et que ce qui mène le bal, ce qui cause, en fait, ce que je peux être amené à dire, ce qui mène le bal, c'est quelque chose qui n'est pas lié, évidemment, même si on peut le penser, au fait que dans mon histoire, il s'est passé tel ou tel événement comme ça, du côté de telle ou telle personne, parents, etc. Mais que, alors là, c'est là qu'on arrive à la question de la jouissance. Très tôt, d'emblée, on pourrait dire, d'emblée, l'être parlant que vous êtes, que je suis, je parle d'être parlant, du parler-être, hein, là. Je ne parle donc plus de... même de... de ce qu'on appelle habituellement le sujet. Hein. Je ne parle pas du sujet représenté par un signifiant dans lequel il vient se figer, pour un autre signifiant qu'il ne représente pas. Hein. Je parle du parler-être, c'est-à-dire ce que Lacan va écrire finalement. Et parler du parler-être, d'emblée, c'est, vous voyez, c'est parler d'écriture, c'est écrire l'homme, L-O-M, avec une jouissance spécifique, mais une histoire, un sujet qui est effectivement le sujet, qui est un individu, qui est un sujet de la jouissance. Jouissance qui commence dès le début de la vie et qui va s'arrêter au moment de la mort. Qui a un corps parlant en particulier, qui est effectivement celui qui correspond à ce nuage borroméen. Le rapport sexuel, c'est ce qui est écrit, ce que Lacan écrit, c'est le rapport. Le rapport. Donc c'est quelque chose qui s'écrit. Hein, c'est ce que je vous disais tout de suite, c'est quelque chose qui s'écrit. Ça s'écrit, et lorsque Lacan va lancer cette formule lapidaire, et il n'y a pas de rapport sexuel, ce que j'ai pu remonter, là, je crois que c'est le 19 mai 1971, dans le séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant, il dit que le rapport sexuel est ininscriptible. Il est ininscriptible parce qu'il y a du réel. Le réel, ça n'est pas inscriptible. Alors bien sûr, la psychanalyse, l'expérience psychanalyse est particulière. Elle a une autre consistance que les autres expériences, du fait que le discours analytique, lui, peut s'écrire, hein, il a été écrit par, je vous l'ai montré, là, par Lacan, là, hein. Je cherche un peu mes trucs, là, voilà, ça y est arrivé. Il a été écrit par Lacan, là, hein, à savoir, bon, on en parlera, hein. C'est un discours particulier, pour autant que c'est un lien à deux. Alors, quand on voit la formule, on a du mal d'imaginer ça, hein. Et c'est un lien à deux qui vient, justement, à la place du manque de rapport sexuel, mais pas pour le combler. C'est un savoir, et c'est ainsi que ce savoir-là s'oppose à toute connaissance qui, par définition, vient combler, faire disparaître l'absence de rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il fait rapport sexuel. C'est écrit dans le mot lui-même, la connaissance.
Donc, on en revient donc aux autres discours aussi, c'est tout à fait possible. J'ai un peu des difficultés là avec mon téléphone, voilà, je reviens, voilà. Bon. Il n'y a pas de rapport sexuel pour autant que il y a un réel, qui est le réel du sexe, tel qu'on en parle nous, hein, pas tel qu'on en parle habituellement. Et le réel du sexe, et je vais un peu parler de ça parce que c'est l'enjeu de ce il n'y a pas de rapport sexuel. C'est quelque chose qui met en jeu le fait que le savoir inconscient vient buter sur le fait que, justement, il y a une butée qui est liée au fait qu'il n'y a pas possibilité de savoir quoi que ce soit sur ce savoir sexuel. Contrairement à ce qu'on raconte, évidemment, à droite, à gauche, hein, partout. Hein. C'est-à-dire que c'est un réel, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, évidemment, là, hein, mais surtout le fait qu'on ne peut pas dire. C'est pas de l'ordre du dit ni du dire. Il y a une butée. Et ça va conduire, effectivement, Lacan à écrire la sexualité de la façon suivante. Je vais au tableau, puis ensuite je vous montrerai. Là est l'apostrophe A, tiret, sexe, tiret, dualité. Voilà, hein, au tableau, L apostrophe A, sexe, tiret, dualité. C'est une façon d'écrire cette butée qui est sur le sexe. Alors, la psychanalyse prend en compte cette dimension, elle est un lien à deux, comme je l'évoquais tout de suite dans ce discours particulier. Alors, elle est un lien à deux, mais ce n'est pas le deux habituel. Hein? Pour en donner une idée, référez-vous au séminaire encore que Jacques-Alain Miller a appelé le savoir, et où Lacan parle du fait que Freud et Lacan formaient bien un couple, mais ne sont pas couplés dans l'être. Ils ne sont pas couplés dans l'être. C'est dans la lettre, là on est dans la dimension de la langue en un seul mot, hein, qui a du rapport à la jouissance. Je vais y venir, mais c'est dans la lettre qu'ils ont trouvé, dans l'être de savoir, qui est dans cet autre supposé. Alors, ça peut paraître évidemment compliqué, hein, mais ça montre bien que ce n'est pas du tout
un couple habituel où on dispense du savoir, comme ça, de connaissances, et où on peut s'acharner, essayer de trouver ceci ou cela. Hein. Bon. Autrement dit, j'en arrive dans ce que je voulais vous dire là, au fait que ce rapport, c'est-à-dire qui ne peut pas s'écrire, qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, est-ce qu'il peut non pas ne pas cesser de s'écrire, mais cesser de ne pas s'écrire. Et alors, c'est la question du rapport sexuel, mais pas au sens évidemment courant du terme. C'est comme ça que commence le rapport à la jouissance, la vie, dans cette rencontre particulière entre le corps vivant, ce qu'on peut appeler le corps animal de l'être parlant, hein, le corps animal de l'être parlant, c'est-à-dire que le corps qui est considéré par la science, hein, cette palpitation qui apparaît d'emblée. Hein. Bon, donc entre ça et le fait que on a été parlé, sans doute, déjà avant notre conception, par d'autres par l'être. On a été parlé et il va en résulter des signifiants qui vont rencontrer ce réel de la jouissance. C'est la rencontre de ce symbolique et de ce réel qui va prendre consistance par l'imaginaire. On a là, évidemment, là qu'on n'y arrive pas comme ça d'emblée, mais quelque chose qui est déjà chez Freud dans ce texte du projet, là, Entwurf, l'esquisse pour une psychologie scientifique, c'est pas ça du tout le titre, hein, c'est une esquisse pour les neurologues, hein, où il parle des perceptions qui viennent s'inscrire sur le corps. Il y a donc ceci qui fonctionne d'emblée. Et ce symbolique, ce qui est important, c'est le verbe s'est fait chair, hein, c'est quelque chose qui va être délivré parce que qui va permettre à l'enfant de rentrer dans le discours, hein, pour autant qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de prédiscursif, il y a d'emblée un discours, du fait que la mère lui parle. En principe, c'est la mère. Au XIIIe siècle, il y a eu une expérience avec un empereur, Frédéric, je crois, oui, qui voulait savoir quelle était la langue originaire, et qui a donc isolé des enfants avec des nourrices, aucune parole, aucun contact entre chaque couple, l'enfant nourrice et l'autre, ceci jusqu'à l'âge de 4 ans. Sans doute, ça s'est quand même développé, là, hein, du côté des neurosciences du côté du cerveau, là, il va en résulter que, ben, ils vont jamais parler, ils vont un peu donner des borborismes ou des choses comme ça, ils vont mourir très rapidement, et donc ils vont pas pouvoir rentrer dans le langage, parce que le symbolique c'est le langage, c'est-à-dire que nous sommes fils du langage, et il va y avoir pour chacun d'entre nous, l'importance du fait que
de par la mère qui parle, de par la réponse de l'enfant, son babil, de par ces moments de lallation, hein, l'enfant va entendre quelque chose qui n'est pas du tout la compréhension, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Il n'entend pas la compréhension, il entend quelque chose qui est, alors voilà, on arrive, hein, qui est lié au fait que dans c'est la langue parlée par la mère, la langue en un seul mot, hein, ce qui fait c'est la langue, ce sont des coupures, ce sont des néologismes particuliers par lesquels il rentre dans le... Il accepte en quelque sorte ce nuage. Évidemment, il n'y a aucun souvenir de tout ça. On peut tout à fait dire que c'est pas vrai, évidemment, parce que comme la psychanalyse, hein, c'est pas une expérience comme ça qui, hein, qui est possible, qu'il est possible de programmer d'une façon ou d'une autre. Hein, c'est quelque chose de tout à fait singulier. Ce qui fait qu'elle est irréfutable, justement. On peut pas non plus la réfuter. Bon. Il y a donc cette rencontre-là, particulière, ce nouage, qui va faire de nous, ce que Lacan va dire tout à la fin de cet enseignement, là, Freud n'a pas ces outils-là. Hein. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas trouver ça, je vais vous dire un mot là-dessus, dans la façon dont il propose justement sa fameuse formule Boelvas, Bo es var, soll ich werden. Il y a quelque chose là qui est en jeu, donc d'emblée. C'est une contingence, c'est pas du tout voulu, prévu, etc. C'est de la pure contingence qui fait que cette palpitation excessive va être mortifiée, réduite, ce qu'on appelle une castration par le symbolique, la castration symbolique, et elle va donner naissance, ou du moins elle va transformer cette palpitation importante du début, elle va la transformer en... dans le fait que au niveau du corps, il va y avoir des zones plus particulières, qui sont ces fameuses zones érogènes, ces zones pulsionnelles, qui correspondent à ce que Lacan va appeler le petit A, comme plus de jouir. Il y en a quatre. Hein. Freud avait parlé de ça, évidemment. Dans les stades oral, anal, phallique. Alors on garde bien oral, anal, hein, mais ensuite il y a donc la pulsion invocante et la pulsion scopique, c'est-à-dire le regard et la voix. La voix, c'est évidemment pas ce qu'on entend, c'est ce qui fait silence. C'est comme le cri de Munch quand on le regarde. Le cri fait silence, fait le trou où s'engouffre le silence. C'est-à-dire que ça va faire des modulations. Et des modulations, ce n'est pas des tonalités. Ce que j'ai essayé de faire entendre là, dans ce que l'artiste, le chanteur, artiste, peut faire entendre dans les roulades ou dans les sauts d'octave, etc. Il y a quelque chose qui... Il apparaît bien, effectivement, que lorsque... c'est ce que les poètes chinois, d'ailleurs, avaient eux-mêmes trouvé, hein, à savoir que ce qui était important pour eux, c'est que cette poématique, c'est de chanter leur poème pour entendre quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'en chantant, comme en parlant, en fait, on écrit quelque chose qui peut s'entendre
au-delà. Alors je sais bien qu'évidemment, surtout en chantant, surtout si on veut faire une carrière, il faut faire ce qui est attendu. Bon, évidemment, c'est toujours comme ça. Il n'en reste pas moins vrai que quelque chose de cet ordre peut s'entendre. Je dis bien entendre et non pas écouter. Et on pourrait dire que ce ruban qui sort de la bouche de l'analysant quand il parle, l'analysant ne sait pas que la seule chose qu'il attend, c'est que l'analyste entende les scansions, les modulations vocales qui sont dedans. Lui-même pourra les entendre, et c'est quelque chose qui se prend, non pas qui s'apprend, qui se prend, hein, il faut y mettre de sa peau, on dit, pour y arriver, c'est tout l'enjeu d'une analyse. Alors ça nous amène, vous voyez, ce rapport sexuel très particulier qui peut avoir lieu à un moment, dans la parole, parce qu'évidemment dans le rapport à la jouissance, à l'autre pris comme corps, entre un homme et une femme, la jouissance est inadéquate. Pourquoi ? Parce que du côté de l'homme, évidemment, la femme, pour lui, celle qui n'existe pas, mais enfin, c'est quand même comme ça, hein, la femme, pour lui, est réduite à son objet petit a, avec lequel, donc, il va avoir un rapport de perversion, d'une certaine façon. Quant à une jouissance perverse, alors que, si bien, l'autre pique encore, hein, alors que du côté de la femme, la jouissance, elle est folle, en quelque sorte. Elle n'a pas de limite. Mais néanmoins, il peut arriver, cette dimension de la parole, s'il y a une transmutation de ce rapport, comme ça là, en rapport de sujet à sujet. Là, quand on l'évoque dans ce séminaire encore, il parlait de courage, puis il dit c'est peut-être pas tellement du courage, simplement qu'il puisse y avoir cette rencontre de sujet à sujet. Il n'en dit pas plus, on ne peut pas en dire beaucoup plus. C'est quelque chose qui peut peut-être se parler, qui peut être entendu justement dans le cadre de la passe. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce rapport sexuel, mais pas au sens évidemment habituel du terme, et surtout pas au sens du rapport de connaissance. Ah, il l'a connu, vous savez, dans la Bible, hein, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, on en arrive donc à cette question que j'évoquais, puisque justement, il y a, pour moi, c'est FLC, hein. Freud. Freud n'avait pas les instruments qu'a mis en place Lacan pour arriver à penser, mais Dieu sait s'il en a fait beaucoup, hein. Et à un certain moment, là, pas tout à fait au début, mais à un certain moment, par suite de son expérience, il va lancer c'est une formulation, hein, « Boes war soll ich werden ». Alors, évidemment, les post-freudiens vont partir là-dessus pour dire que le « moi » doit déloger le « ça », hein, qui est absolument psychologisant, ce qui est pour le coup, avec l'ordre, il y a du rapport sexuel au sens de la connaissance. C'est pas là ce qui est dans l'enjeu, habituellement. Hein. Alors, comment l'entendre ? Lacan est revenu beaucoup là-dessus, je vais essayer, moi, en parlant, parce que ce qui est important, c'est que c'est ce que vous pouvez entendre de là où vous en êtes, à partir de là où j'en suis quand je parle. C'est ça, là, pour le soir. Hein, je ne suis pas là pour vous raconter des trucs comme ça, pour faire, comme on dit, je disais la dernière fois, là, en prenant Joyce, hein, pour faire escabeau. Hein, est-ce que c'est beau ? Ça ne veut pas dire que cet escabeau, ça ne puisse pas justement fonctionner, mais
à condition de prendre en compte cette façon d'y faire valoir la chose, das Ding, ce réel particulier, das Ding, qui vient s'engouffrer dans le corps, d'emblée. Boesbar, là où c'était. Le S, évidemment, il va. Oui, Lacan, donc on va en parler beaucoup, depuis à peu près 58, 1958, jusqu'à 65, 66, 67, enfin bon, il va donner différentes interprétations, ça montre bien que ça le tracassait, hein, donc il y a un rapport à la jouissance quand on est tracassé, hein, c'est ça l'important, hein. Ça le tracassait beaucoup, et donc finalement, il va développer de différentes façons, parce que c'est quand même à développer, hein. C'est Freud qui apporte ça. Là où c'était, il insiste sur l'imparfait. Là où c'était, ben oui, voilà. Hein. Soll ich werden. Soll, en allemand, c'est pas müssen. Sollen, c'est pas müssen. C'est pas un ordre. C'est pas une nécessité au sens de l'ordre. Ce qu'on appelle, c'est un devoir. Et je dois devenir. Et vous voyez que le génie de la langue allemande, c'est qu'elle met Soll d'emblée en début de la phrase, comme si c'était une interrogation. Pour savoir, Soll ich, c'est pas ich soll. Hein. Soll ich werden, je dois devenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là où c'était, alors j'ai essayé de le développer, c'est pas simple. Hein. Là où c'était, et à partir du moment où je dis là où c'était, c'est que je n'y suis plus. Par définition. C'est donc un temps où, en tant que sujet, si j'ai pu y être, j'y suis plus. C'est-à-dire où, en tant que sujet, je disparais de mon dit. C'est là que, comme sujet, je dois devenir. Mais c'est un sujet qui disparaît. C'est un sujet qui est réduit à une fente, à un réel, et qui va être, d'une certaine façon, comment le dire, être ce qui parcourt la chaîne signifiante, qui n'est pas lié à un signifiant. Difficile d'en parler, hein, parce que c'est vrai que c'est pas simple, hein, c'est pas évident, hein. Hein, c'est pour ça que ça avait été écrit que le sujet barré. Et qu'on arrive à la question du fantasme, là, hein, à savoir, est-ce barré, poisson, petit a. Et le poisson, c'est la dimension de la structure, c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. À savoir, cette rencontre, là, cette rencontre entre le symbolique, le réel de la jouissance du corps qui est mortifié, hein, qui est réduit et qui va donner naissance à un autre type de jouissance possible au niveau particulièrement des quatre orifices pulsionnels dont j'ai parlé, hein, mais qui ne sont pas des endroits de consistance. Hein. Ce qu'ils ont, c'est une existence logique. Difficile, ça. Bon, faut pas trop chercher à comprendre. Hein. C'est pas, ça, ils n'ont pas de consistance imaginaire. Le sein, évidemment, c'est pas le sein. Hein. Le fesses, c'est pas le cibale. L'œil, eh ben, c'est pas le regard. L'œil, c'est ce qui permet de voir. Le regard, c'est ce qui fait qu'on est regardé. Depuis toujours. Le monde est omnivoyeur. Et puis, évidemment, la pulsion invocante, la voix, hein, et ben c'est ce trou où se rencontre le silence. On trouve ça quand on chante, notamment l'opéra, particulièrement.
Ça a été dit d'une façon ou d'une autre, par exemple, quand la musique s'arrête, spécialement chez Wagner. Quand il écrit son dernier opéra, Parsifal, il se rend compte, Wagner, que il ne faut pas d'applaudissements. Il va demander de ne pas applaudir. C'est pas évident. Comme si le moment de silence qui survient faisait entendre quelque chose, le silence, quelque chose de l'ordre d'Asding, sans doute, quelque chose qui était immédiatement balayé par les applaudissements. Évidemment, ce n'est pas simple pour les artistes, parce qu'ils attendent ça, évidemment. Mais enfin, ça a été posé comme ça par Wagner. Et on sait l'importance du silence. Donc, là où je venais d'être, où j'aurais pu être, mais j'y suis plus, c'est là qu'en tant que sujet, je peux advenir. Mais en tant que sujet, hein, c'est un sujet, c'est pas le moi, hein, c'est le ich, c'est une majuscule, c'est pas une minuscule. Je peux advenir. Et alors là, évidemment, ça nous ramène au début. C'est-à-dire au fait que ce moment-là, en fait, c'est ça qui est au cœur de ce lien social à deux. Vous voyez que ce n'est pas le E, le X, c'est pas le 2. Chiffre, c'est qu'il y a, il y a déjà du 3. Ce que j'ai dit au début, il y a déjà du 3. Il n'y a pas de 2 sans 3. Et on en arrive au fait que ce qui va se passer du côté du paradoxe du rapport sexuel, tel qu'on en parle, à partir du discours analytique, hein. On va reprendre ça suffisamment de fois. Hein. Dans 15 jours, on va reprendre ça. Hein. Pas la semaine prochaine, ça va être à peu près tous les 15 jours, oui. Donc, le dimanche à 18h. Donc, ce qui est en jeu, là, dans ce qui se passe, là, c'est le fait que parlant, la parlance, dit Lacan, ma parlance. Parlant, je parle avec mon corps. Celui qui, pas celui de l'organisme vivant tel que la science le considère, hein, et j'en dis plus que je n'en sais. L'hystérique, elle va payer avec son corps. En tant que sujet divisé, elle va interroger. Du coup, j'essaie de vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, c'est le S barré. Et à partir du petit A, donc, c'est-à-dire à partir de son corps, comme objet de jouissance, elle prend appui sur cet objet petit A pour interroger le S1. C'est-à-dire le maître, on pourrait dire. L'objectif étant la production d'un savoir. S2. C'est ce qui fait de l'hystérique un discours et non pas une névrose. Ce qui fait que l'hystérique, elle prend en compte le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Au sens où on en parle. C'est très compliqué, hein, ce
que j'essaie de sortir, il faut sortir des choses évidentes. Alors comment ça se passe? Il y a donc ça, dans une analyse, on va s'approcher de ça, là où c'était. C'est l'abéance, hein, c'est le désêtre. C'est le seul, c'est la solitude, c'est au-delà de l'angoisse. Freud, c'est Freud qui a proposé ça, même s'il n'en parle pas tout à fait dans ces termes-là, mais on trouve ça chez Freud. Hein. Freud lui parle à Lacan. Hein. La lettre, non pas l'être. Un discours qui ne bétonne pas avec des notions, qui rembête, le béton ça rembête. Même si évidemment ça semble être intelligent. On a donc ça. Alors je navigue là, hein, comme je peux là. Suivant ce qui me vient, évidemment. Ce qui fait qu'on peut penser que c'est peut-être plus simple, plus enrichissant peut-être pour vous, je ne sais pas, c'est vous qui pouvez dire. Cet apprendu-là d'une heure, tous les 15 jours à peu près. On a donc ça, le point de départ, et puis cette rencontre entre le réel de la jouissance et puis le symbolique. Et la grande énigme, le mystère du corps parlant, c'est le fait qu'il y a une affinité entre le réel du corps, la jouissance du réel du corps, et le symbolique. Ça n'existe pas chez les animaux, ça n'existe que chez, on va dire, les humains, c'est-à-dire les humus du langage. Et c'est pas facile à accepter, parce que le nouveau-né, il va falloir qu'il scoltine tout ça. Hein. C'est pas simple. Hein. C'est pas quelque chose comme ça, c'est pas un cadeau, hein, comme disait. C'est pas un truc qui fait que tout va bien. Après, il va y avoir la constitution, évidemment. Après, on dit après, parce qu'on ne sait pas trop comment dire, mais d'emblée, il y a la mise en place justement de cette voie particulière qui va permettre, effectivement, dans l'analyse, d'avancer en direction de ce point-là, qui est donc le fait que l'inconscient est structuré comme un langage. Un langage, c'est-à-dire qu'on va passer par la langue. En un seul mot. Ce n'est pas le langage, métaphore, métonymie, etc. La linguistique, même si ça peut jouer, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est la linguisterie de Lacan. Autrement dit, tout être parlant, tout par l'être, tout corps parlant, peut s'il le souhaite, je sais pas si c'est un souhait, bon. S'il demande, tout être parlant peut faire l'expérience de ce lien social à deux, quels que soient les symptômes. On n'est plus dans la classification névrose, psychose, perversion. Il n'y a plus comme, je ne sais plus comme c'est maintenant, enfin moi j'ai connu ça parce que j'ai failli, enfin j'y suis allé mais je ne suis pas resté longtemps, hein. Fait le tour là dans l'Institut, ça m'a appris beaucoup finalement, c'était très bien. Hein. Ceux qui vous permettent de faire une analyse ou pas, non. Tout être parlant, vous pouvez savoir ce que c'est que la psychanalyse, hein. C'est un lien social à deux. Une expérience particulière, lien social à deux, pourquoi ?
pour trouver la jouissance qu'il faut, pour que la vie continue. La vie, c'est pas même pas pour que ma vie continue, pour que la vie continue, et Dieu sait si actuellement c'est un peu particulier, hein. Ce qui fait que la psychanalyse, c'est le fait qu'elle vient dans la mesure où on est complètement asphyxié, quoi. Par tout ce qu'on entend, par tout ce qui joue, ce qui se programme, etc. Comme dit Lacan, c'est le poumon artificiel. Alors ça vaut le coup de se lancer là-dedans. Parce qu'on va... Ce qu'on appelle la réalité, qui est en fait liée à ce qu'on appelle le fantasme, c'est la structure du fantasme, hein. Avec toutes ces signifiants qui vont progressivement se dénouer, être dénoués, enfin comme on voudra là, à partir de cette modulation vocale, dans la parole, quelque chose va rendre l'articulation entre le S-barré et le petit A. S-barré, c'est quoi? C'est notre être de signifiance. Petit A, c'est notre être de jouissance, pour que ça fonctionne autrement. Et du coup, ce qui, au départ, faisait que... Je vais vous le montrer ailleurs. Oui, on arrive sur le graphe, là. Hein. Ce qui, au départ, faisait que... Le fantasme, là, était cause du symptôme. Hein, ça démarre comme ça. Cause du symptôme, là, fait que quand toute la dimension de la structure, là, qui est écrite par ce poinçon, là, a été travaillée, il va en résulter que le symptôme qui était là va prendre, va changer tellement que on arrive à cette dimension du symptôme, là, le réel du symptôme, la jouissance du symptôme. À la piste de Joyce. Alors je laisse un peu de côté le quatrième là, élément. J'en reste là déjà pour le moment. Hein. Et tout est là. Donc ce passage qui va se faire par la demande, là, évidemment, bon, on reprendra ça une autre fois, mais de toute façon, on va arriver là, hein, de telle façon que le symptôme, évidemment, ça met en jeu le corps. C'est un événement de corps. Le corps, tel que, évidemment, j'en ai parlé, c'est-à-dire ce corps de jouissance, le corps de jouissance dû par l'être, et non pas le corps de jouissance de... Oui, le corps de jouissance du paraître, voilà. C'est pas le corps tel que la science le considère, même si elle ne sait pas qu'en fait elle le prend en compte, tout en le niant d'ailleurs. Le sujet de la psychanalyse, évidemment, c'est bien sûr le sujet de la science, au sens où c'est le sujet que la science forclôt. Voilà. Et la psychanalyse... est venu par le biais de l'expérience de Freud, du fait du développement de la science. Il fallait bien quand même qu'il y ait ce quelque chose de cette trouvaille du corps de jouissance, à ce poumon artificiel. Ceux qui le souhaitent. Hein, il y a donc, dans ce parcours, un couple analysant-analyste. Dans ce lien social à deux. Mais c'est un couple qui prend en compte qu'il n'y a pas de rapport sexuel.
Et pourtant, ce que je vous ai dit, vous voyez le paradoxe, c'est pas simple. Hein. Et pourtant, ce que je vous ai dit, c'est qu'il pouvait y avoir dans la parole quelque chose qui s'appelle le rapport sexuel. Il pourrait y avoir ça lorsque la mère, notamment, en parlant, on peut aller jusque-là, elle insémine l'enfant à partir de signifiants que l'enfant entend. Et on peut dire que, on peut le dire entre nous, évidemment, il ne faut pas les raconter parce que personne ne comprend rien à ça. Hein. On peut dire que c'est ça, finalement, l'inceste. L'inceste, pour nous, psychanalystes, ça s'apprécie, non pas à partir du factuel, mais à partir du langage. Et l'enfant, après, va avoir à se dégager de tout ça. Vous voyez que ça change complètement tout ce qu'on peut raconter, hein, c'est quand même autre chose. Et puis alors, il y a ce truc-là, qui est toujours autour de ce rapport sexuel, puisque le rapport sexuel, c'est quand même bien la façon dont l'homme se débrouille avec une femme. C'est toute la question des formules de la sexuation, on pourra apprendre ça. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quand, mais enfin, on peut avec Lacan le situer vers entre 6 mois et 18 mois. En regard de ce réel, c'est-à-dire de ce savoir auquel on n'a absolument pas accès, qui est un savoir sur le sexe, donc c'est très mystérieux. Le moutard, la moutarde, ils vont avoir à se situer du côté homme ou du côté femme. Et ceci indépendamment des caractères sexuels secondaires, voire primaires. Ça va pas de soi du tout. Ça va tellement pas de soi qu'on peut reprendre la formule de Lacan, c'est une insondable décision de l'être. Insondable décision de l'être. De l'être sexué. C'est pas de l'être au sens philosophique. Hein. Ce qu'il va appeler la sexuation. Il va dire que l'être, bah, c'est une façon de ne pas prendre en compte, de couper quelque chose à partir du sexuel. Du sexuel dont on ne sait rien. A-sexe-dualité. Tout ça fait que tout ce que je vous raconte, vous voyez, ça peut ouvrir des portes, mais ça ne permet pas trop de fixer les choses, ça permet de montrer le mystère de l'être parlant, l'insondable décision de l'être. C'est quelque chose qui n'est pas évident, hein, parce que même si ça part comme ça d'un côté, on sait bien que, je dirais, l'expérience de ce lien à deux y contribue. Je le dirai à partir de mon expérience, tout simplement, hein, puisqu'on apprend quelque chose à partir de son expérience. À partir de son expérience, de ce qu'on entend, de ce que dit Lacan ou Freud, hein. C'est pas Lacan a dit, hein. Donc c'est ça. Hein. C'est qu'est-ce qu'on entend dans ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on entend. Écoutez la troisième, par exemple. C'est important. C'est quelque chose qui a toujours été important pour moi, d'écouter les audios. Alors je voudrais terminer sur un truc quand même qui est justement... j'ai beaucoup parlé de ça avec Patrick Vallas. On n'en a pas fait tant comme ça, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est pour ça que c'est un peu là-dessous que je mets ce FLC, là. Je sais, évidemment, vous pouvez entendre ce que vous voulez, hein. Vous savez, la façon dont les femmes, les artistes, soprane notamment, ou mezzo, ont été traitées à l'opéra, c'est pas mal, hein. On en avait la trouille, hein. Ça c'est sûr. On a trouvé des solutions, évidemment, hein. Des castrats, etc., tout ça, bon. On en parlera un peu de tout ça. Il y a quelque chose qui est là, qui est en jeu,
qui est une question. Donc j'en ai parlé avec Patrick. C'est lui qui m'a renvoyé. Il entendait des choses quand je parlais. Puis dans ce que tu dis, moi j'entends ça. J'entends, sous-entendu, tu es en train d'écrire quelque chose, un texte. Ça, c'est pas un bouquin, hein. Le texte en question, là. C'est singulier, hein. Le bouquin, c'est fait pour autre chose. Enfin bref, passons. Enfin, du moment où je suis mis à chanter, j'ai presque plus rien écrit, moi, personnellement. Mais j'ai beaucoup parlé, et je continue à parler. Bon, donc, il y a quelque chose qui va nous mettre comme ça, là, du côté de ce qui se passe à Metz, là, du côté de l'exposition, là, la psychanalyse. Moi, je suis plutôt... C'est pas tellement quand l'art rencontre la psychanalyse, c'est quand le psychanalyste rencontre l'artiste. C'est plus vivant. Bon, après tout, pourquoi pas, c'est pas le problème. Pourquoi ça? Parce que finalement, l'art c'est un artifice. Hein. C'est une façon d'écrire quelque chose, justement, qui ne peut pas s'écrire. C'est-à-dire le réel. Bon. Eh bien, ce que m'a renvoyé plusieurs fois Patrick, et puis on en a beaucoup parlé, c'est le fait que ce que je racontais à propos de ça, c'était que c'est comme s'il y avait... alors, on ne sait pas comment dire ça, mais il y avait quelque chose, enfin quelque chose, et la chose. Il y avait avant, bon, si on me met un peu de chronologie, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, avant la structure, voilà, avant l'établissement de la structure. Lacan a touché à ça quand il a parlé de la crachose, la crachose. Avant l'établissement de la structure, donc de la conscience, la conscience structurée comme un langage, il y aurait un moment particulier de jouissance de pur réel. Parce que dès qu'on est dans l'inconscient, on est dans l'histoire des signifiants. Hein? La conscience est le réel en tant qu'il est affecté par les signifiants. C'est comme ça qu'on avance. Il y aurait une jouissance de pur réel. Je dirais que c'est ça le... la rencontre de l'artiste et du psychanalyste. C'est-à-dire que l'artiste, il précède bien le psychanalyste. Il précède parce qu'il faut du temps pour arriver à ça, par une analyse notamment. Et c'est là où c'était, là. C'est ça, c'est le point de réel. C'est ça qui est en jeu pour chacun. Et c'est à partir de là que ça peut partir autrement. Ça peut passer ailleurs. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus et je vous dis dans 15 jours, alors je ne sais plus, bah, il suffit de faire le calcul, là, on doit être le 7 aujourd'hui, ça fait le 21 ou un peu de choses près, hein, il y aura une annonce à nouveau. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.